Bon, il est 18h, j'arrête pour aujourd'hui. J'en ai plein le dos. J'ai fait ceci. Comme je vous ai dit tout à l'heure, faut que je nettoie les carreaux pour rectifier ça bien proprement. J'ai enlevé les bandes, vous voyez ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Là, c'est carrément là où il y aura la télé, donc condamné. Là, c'est entre la cuisine et le salon, grande ouverture. Là, j'ai laissé le scotch pour en repasser un coup. J'ai pas fini. Et oui, ça fait rien si c'est mis déjà, ça me gênera pas. Voilà, celui-ci, j'aurais pu l'enlever. Ouais, au moment où je remette un coup de bombe encore. Ouais, un léger coup. Ouais, c'est bon. J'en mettrai un coup. Voici ce que j'ai fait. Bon. Je le fais tourner parce que comme le chrono tachygraphe, il n'est pas encore déconnecté. Ça pompe de la batterie, j'ai laissé pendant 2 jours allumé, enfin allumé, sans débrancher les batteries. Et ça y fait du bien aussi. Je vais faire un petit tour là pour y dégourdir les jambes. Et moi ça va me changer un peu les idées. Voilà. Donc il reste celle-ci à faire. Et celle du fond. Voilà. Allez go. Ciao. Bon, on est samedi matin, il est presque midi. Oui, samedi midi, j'aurais pu dire. Enfin bref. Donc, j'ai fait ceci. Tranquille. Je suis arrivé, il était 10h dans le bus. Dans le car. À titre préventif, j'ai jointé celle-ci. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait 2-3 gouttes d'eau. Et comme j'ai vu des bouts de verre tout du long. Elles ont été cassées, celle-là, et remplacées. J'ai dû vous le dire des fois, déjà dans notre vidéo, au tout début, d'aménagement. Donc j'ai jointé, comme ça, moi ça risque rien. Et j'ai mis plus d'un tube de silicone dedans. Un tube et demi. À mon avis, quand ça a été changé, ça, ils n'ont pas dû mettre assez de joints. Bref. Le problème est résolu. Il n'y avait que celle-ci. Voilà. Donc là, je vais partir en week-end. Allez, hop. J'ai assez travaillé comme ça. Ça avance, petit à petit, mais ça avance. Je suis content. Nickel. Ouais. Allez, go. Bon, bonjour à tous. Alors, bon, j'ai terminé la bombe, ça donne ça. Hop. On est vendredi 25, je suis venu pour 2h. Donc j'ai fait ça. Donc, là, tout est bien noir. J'ai repassé les bombes ici. Là aussi, c'est nickel. Comme vous pouvez le voir. Là, au bout, pareil. Encore sec. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien noir. Nickel. Hop. Là, c'est pareil. Tout est nickel. Bon, là, j'ai une laine de roche qui traîne. Donc, la laine de roche, ce sera pour les endroits les plus épais, c'est-à-dire derrière les carreaux qui sont condamnés. Pour ras des montants, pareil. Et là, en dessous, pareil, tout ça, laine de roche toute neuve. Pourquoi de la laine de roche, contrairement à la laine de verre ou autre? Parce que contrairement à la laine de verre, ça arrive à pourrir. Le stérodur, c'est plus chiant à poser pour les... Ça laisse du froid passer. Que la laine de roche, ça va partout. C'est plus facile à poser. C'est super
pour l'été comme hiver, résiste à l'eau, confort acoustique, bref, c'est ce qu'il y a de pas trop mal. Ouais, ouais, c'est ce que j'avais chez moi avant, donc j'en étais super content. Sauf pour les combles où vraiment c'était la laine de verre. Mais autrement, tout le reste à l'intérieur de la maison, c'était la laine de roche. J'ai peint aussi là, c'est pas encore sec, vous voyez la différence, c'est plus brillant. Ouais. Donc là j'ai passé ici. Je sais pas pourquoi c'est brillant là et pas... Hein. Enfin bref. Pourtant c'était la même ombre. Ouais, je m'y mets. J'avais comblé ça. C'est parti. Et j'ai fait ça aussi. Hop. Traité anti-rouille et peint en même temps. Bien sûr, l'anti-rouille, ça séché. Hein. Comme ça. La barre est nickel, protégée. Voilà. Les quatre. J'ai la cinquième qui est là. Je vais pouvoir attaquer pour aller là-bas. La dernière, ici. Là. Puisque celle du bout là-bas, je ne touche pas. Mais ici, par contre, j'en rajoute une. Pour la continuité du reste. Voilà. Comme ça, au lieu d'avoir 1m82 d'origine du bus, là, je me retrouve avec 1m86,5. Vous voyez, j'ai gagné plus de 4 cm. 4 cm et demi en faisant cette méthode-là. Allez. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, là, on est dimanche 27 et il est 10h. Avec le décalage horaire, aujourd'hui, c'est comme si c'était 9h du matin. Enfin, bref. J'ai peint tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est susceptible d'avoir été touché avec la lame. Avec la scie sabre et bien sûr ça a été traité en anti-rouille avant, ça a séché et j'ai passé un coup de bombe, donc j'ai fini une bombe grise que j'avais et une bombe noire aussi. Il me reste de la bombe noire pour peindre aussi la barre qui me reste à faire là-bas au bout. Donc j'ai passé aussi, j'ai fini la bombe métallique là sur les jantes arrière, j'ai passé un coup de chiffon propre. Et j'ai fini la bombe dedans, comme ça, elle sera bien protégée. Et comme il fait beau cette semaine, Romain, voilà, ça aura le temps de sécher correctement. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire... je vais finir d'accrocher mes barres, enfin mes lattes. Je finis ça, et dès que j'ai fini ça, après j'attaque l'isolation. La peinture au fond et là-bas, ce sera plus tard. On est dimanche aujourd'hui, c'est fermé. Demain, je suis pas là. Donc, c'est parti. Allez, go.